superbe soirée de football américain. Vous êtes avec nous sur Sport en France et c'est parti pour ce casque de diamant entre le Flash de la Courneuve et les Black Panthers. Troisième tentative et 3 yards à parcourir pour les Black Panthers. Ah, c'est une passe rapide. Intercepté. C'est intercepté. La première passe est interceptée. On parlait de la précision tout à l'heure. Jordan Lundy sur l'interception. Allez, première passe pour Baptiste Grammy. Il a du temps. Il est tout seul. Attention. C'est le touchdown sur Adel Bavdil. C'est un message que Paul Durand envoie. Il est passé dans son dos. Il est passé derrière. Il s'est totalement fait oublier par la défense. Et ça fait 6-0 pour la Courneuve. Transformation à suivre. La transformation de Thibaut de Visme. Ça passe à côté, hein. Il me semble. Ça passe et à côté. Il faut absolument que les Black Panthers arrivent à convertir. Il y a du cadavre qui échappe. C'est catché par Rondell, attention. Et il va et c'est touchdown. Le touchdown du joueur américain. Pour réalisation. Très très gros touchdown d'Rondell là qui a réussi à. Qui a joué son physique. Ah oui, clairement, clairement. Et quel physique, quel physique, quel Golgoth. Il n'y a rien de grave. La connexion là voilà. Qui fait très très mal, on a vu trois joueurs autour de lui. Mais c'est plus de 100 kilos en face. Le défi physique est trop important, surtout quand il est lancé. On voit Ange Kamgan pourtant, le numéro 30 qui n'est pas n'importe qui. Et la transformation qui passe, c'est validé par les arbitres et les Black Panthers qui prennent donc l'avantage 7-6. Et oui, comme quoi on le répète, et j'aime bien le répéter, les équipes spéciales sont très importantes. On va le revoir absolument, là et on l'a bien vu, ça a parfaitement lancé leur drive, les équipes spéciales avec le return de Adel Bavdil. Premier et goal. Attention, ça s'approche dangereusement. Il y a un flag. Il y a un flag. Touchdown, mais flag qui est bien jeté et avant le jeu. Ouais. Mais est-ce que ce serait pas plutôt un hors-jeu du côté des Black Panthers? Sinon, l'action aurait été arrêtée. On va avoir l'annonce de ce monsieur Petit dans un instant. Empiètement défensif. Ah, ça va touchdown. Touchdown. Jason Bofunda. Touchdown accordé. Et voilà le touchdown de Jason Bofunda. On est un peu pris de court par ce flag. Lancé très rapidement, mais effectivement, le flash de la Courneuve qui revient au score, 12-7 en attendant la transformation. Et à contrario, les Black Panthers qui doivent absolument contrer, le snap qui est bon. Il me semble que ça passe. Ouais, cette fois-ci, ça passe. Intéressant, Brice, ils auraient pu tenter à 2 points pour se mettre à l'écart avec à 7 points d'écart les Black Panthers. Peut-être un peu trop tôt. Peut-être un peu trop tôt. La motion de Lucas Davoine. Allez, on parlait du loup. On parlait du loup. Est-ce qu'il va aller au bout? Il va aller au bout. Il me semble juste. Ah, l'arbitre est dur. Je le voyais dedans. Il me semble bien qu'il tombe avant. Et oui, en tout cas, le job est fait. Maintenant, il n'y a plus qu'un petit demi-yard à faire pour le touchdown. Retournement de situation. C'est avancé finalement. Après discussion. Et oui, les arbitres qui ont discuté entre eux. Et donc, les Black Panthers qui reviennent à égalité 13-13. Et là, c'est le snap qui est parfait. Et ça passe. C'est dedans, c'est entre dedans. Poteaux, 14-13. Ils gardent, ils reviennent à l'avantage, les joueurs de Tonon. Pourquoi pas entrer, c'est une troisième. Il y a du monde. Ça va blitzer, ça va rentrer. Benjamin Kela qui rentre, qui tombe. Et, elle est et c'est pour Bofunda. Et il va aller jusqu'au bout, Bofunda. Jason Bofunda. Touchdown. Qui fait parler la poudre et la petite danse pour célébrer 19-14 pour le flash. Qui tombe là. Là, il rate le plaquage de peu. Et Simon Debiez aussi. Et derrière, et ensuite il y a la vitesse, la vitesse du numéro 33 avec une petite célébration qu'on va voir bientôt sur les réseaux. Je te l'assure. Allez, l'extra point qui est important, le snap qui doit être réussi. Il me semble que ça. Oh, le poteau! C'est terrible. 20-14, ça fait deux fois. 19-14 du coup. Ça fait deux fois. Ouais, deux extra points manqués par Thibaut Devise, c'est terrible. Allez, peut-être que ça peut avoir son incidence, mais bon, voilà. Tant qu'il le fait pas en regardant les joueurs du flash. Allez, play action, attention! C'est une long passe, c'est pour Payan. Et c'est touchdown. Touchdown Black Panther. Ça court beaucoup et ils sont efficaces à la course. Les défenses qui sont pas assez disciplinées, Brice. Et là, la balle, même si elle est volante, le numéro 44 qui est trop en retard. Ah, il avait fait clairement la différence sur Kevin Poignet. C'est lui qui va réceptionner le long snap. Presque arrêté. Et c'est dedans. Il me semble que c'est dedans. Ça fait 2 points. 21-19. Pour les Black Panthers. Et très bien noté, Nick, absolument. 45 secondes, le tour qui tourne, il y a de l'espace pour FG Pion. Et c'est touchdown François Guilhem Pion. Donc pour le nouveau touchdown du flash de la Courneuve. Et on vous rappelle demain le match des Paris Mousquetaires pour finir le week-end. On est reparti au jeu avec un stretch. Attention à Dusan Saint-Louis. De l'autre côté, c'est intercepté. Valentin Roche, il me semble, numéro 4. Elle n'ira nulle part l'interception. Très très bien joué de sa part. Qui vient interrompre les espoirs du flash.
On va courir à nouveau. Non, c'est une passe. Attention, une passe rapide. Et c'est sur pour Liam Ward qui avait résisté. Incroyable. Incroyable, Liam Ward. Qui vient inscrire. Vas-y. Qui vient inscrire le touchdown. Il se dit qu'il aura dû finir le job et l'extra point. Et est-ce que ça passe? Ah, il est à côté. C'est à côté. Et 27-25. Ouais, la défense qui tourne. La motion où, attention, le snap qui est bas. C'est une longue passe. Et le touchdown. C'est catché. Et oui, jusqu'au bout. Incroyable touchdown. Et c'est Pierre-Yves Dahir, le troisième touchdown pour lui. C'est fou. Et voilà, on parlait de MVP. Et en tout cas, il marque son nom sur la liste, clairement. C'est sûrement le plus dur. Et bon, on voit, hein, pourtant c'était mal engagé cette action. Mais Carrie Lane qui trouve la ressource. Et Farah Mendy qui est sur les talons. Ah, Farah Mendy qui fait un mauvais travail technique là. Et Peyo, incroyable, hein. Avec une petite célébration, il salue la foule. La transformation, et il me semble qu'elle passe entre les poteaux. Oui, c'est validé pour Kevin Dessau. 34-25, le break est fait. Ouh, attention, au départ. Un peu de confusion. Ouais, ils ont tellement attendu que... Et là, les arbitres qui n'hésitent pas, des flags de partout. Faute de balle morte, au départ. Black Panther, 5 yards de pénalité, toujours 4ème. Voilà, 4ème tentative. Et est-ce qu'ils vont nous faire un field goal, les joueurs de Black Panthers? Et oui, hein, Kevin Dessau qui est sur le terrain. Et alors, voyez est-ce qu'il... Ouais. Peut-être un fake. ça serait vraiment culotté, j'ai envie de dire. c'est le mot. Dessau qui prend pas beaucoup d'élan. Ouais, clairement. Un gros pointu. Il faut réussir côté Black Panther. Très bon hold. On va attendre l'addition des arbitres. Et c'est dedans. C'est validé. Kevin Dessau qui aggrave le score. 37-25. Et attention, hein, 12 points d'écart. Alors là, ça commence à faire mal. Ça reste deux possessions, mais attention, là, il faut clairement. 5 minutes. Il faut clairement mettre deux touchdowns pour le flash de la Courneuve. Et on repart. Première tentative pour le flash qui est dans la red zone. Hein. Ils sont dans les 20 yards opposés. Ouais, play action encore une fois. Il garde le ballon, Madis. C'est lancé. Il est tout seul. Touchdown. François Brémond qui vient recoller au score, 4 minutes. Hein. Et c'est pas fini mesdames et messieurs, quel match. Ah clairement. Avec le flash, ouais, on n'avait pas encore parlé de ça. Il y a un flag sur le terrain. Ouais, direct dès le snap, mais qui sera sûrement décliné. Hein. À mon avis, ça doit être contre la défense. L'extra point qui est validé par les arbitres. Allez, la transformation à jouer. 4 minutes, hein. 4 minutes, toujours 3 temps morts pour le flash. Transformation à 2 points. Et on la redonne à Jason Bokunda, et elle est faite. Ils reviennent à 3 points, un field goal d'écart les joueurs de la Courneuve. Et attention maintenant, ça va être à la défense de faire le job. Vraiment, ils ont été irréprochables les Black Panthers. Ils ont mal commencé le match en plus de ça. Hein. On se rappelle que dès la première passe, Kerry Lane s'est fait intercepter. Je vous rappelle messieurs dames, ils ont vraiment mal commencé ce match. Et ils remportent cette finale. Et voilà. Les Black Panthers qui vont remporter cette finale, incroyable. Il reste encore 35 secondes, hein, mais ça y est, c'est une formalité. Si, ça y est, Sébastien Petit qui annonce les Black Panthers qui remportent champion de France pour la 5ème fois de leur histoire. Félicitations aux Black Panthers, clairement. Face à leurs meilleurs ennemis, hein, le flash de la Courneuve qui reste évidemment loin devant avec 12 titres. Mais les Black Panthers qui, au bout d'une saison pleine d'adversité, arrivent encore une fois, tout comme l'année dernière, à obtenir le titre.